Bienvenue à Radio B52. Merci de nous écouter en grand nombre. Abonnez-vous, c'est gratuit. On part ça. Le COVID-19 persiste au Québec, comme dans tout le reste du pays, dans toutes les provinces au Canada. Et puis, euh, les chiffres augmentent. On est euh, malheureusement dans une tendance à la hausse. On est au milieu de janvier 2021. Et euh, la vaccination a débuté il y a quelques semaines. Euh, il y a lieu d'être très inquiet car euh, la vaccination est, euh, est, la so est vraiment la solution à long terme euh, à ce virus pernicieux, insidieux et mortel. Et euh, malheureusement, euh, nos dirigeants, à commencer par euh, le gouvernement fédéral, de Justin Trudeau, ne euh, oh. sont pas à la hauteur. Ils ne sont pas à la hauteur euh, vraiment de la tâche, ils ne sont pas à la hauteur des responsabilités, bien qu'ils soient sûrement bien intentionnés, on se comprend. Euh, le processus de vaccination au Canada, comparé à d'autres pays, euh, euh, est, est lent, beaucoup trop lent. Et euh, plus que ça, il y a euh, une forme de désordre, une forme de mésentente également. Ça a l'air chaotique. Euh, sur un même sujet, euh, sur ce qui se passe au Québec, par exemple, on va entendre le gouvernement fédéral, Justin Trudeau, dire une chose, et entendre notre gouvernement ici au Québec dire autre chose. Donc les deux s'accordent pas, on ne la pas avoir la même opinion, le même point de vue. Qu'est-ce qui se passe en réalité Allez donc le savoir, vous, comme citoyen. Il hein? euh, y a évidemment des oppositions, là, des différences de point de vue entre Québec et puis Ottawa qui sont notables. Ce n'est pas euh, en soi mauvais d'être de, de, différent, en autant que ça nous permet de soigner nos, euh, nos, euh, notre peuple de façon de plus diligente et de façon euh, rapide. Euh, actuellement, le... Le gouvernement du Québec euh, répète euh, qu'il manque d'approvisionnement de, de, euh, en, en vaccin. Euh, on ne peut pas aller plus vite, dans le fond, que le, que le, le volume de vaccins reçus d'Ottawa pour, pour ce qui est du processus ici dans la province de Québec. Euh, à l'opposé, euh, Trudeau et sa gang vont dire ben, des vaccins, on envoyait en masse, mais il euh, y en a qui dorment dans les frigidaires ouais, dans la province de Québec. commencer donc par. Euh, Passer euh, euh, les, les doses qu'on vous donne avant de chialer. Tu sais, c'est un bel exemple là, de qui dit vrai. C'est un petit peu tannant cette opération-là, ce contexte-là de qui dit vrai, de plus en plus. Là. Parce qu'en fait, tout le monde devrait s'accorder, tous les gouvernements devraient s'accorder ensemble, même si le fédéral, dirigé par Trudeau, c'est carrément un gouvernement d'amateur, un gouvernement qui n'est pas à la hauteur. Il reste qu'il faudrait que tout le monde s'entende. On a intérêt à tous travailler main dans la main pour vaincre la COVID et faire en sorte qu'il y ait le moins possible de décès, le moins possible d'hospitalisation. Euh, l'autre chose, l'autre différent sur lequel euh, il est quand même inquiétant, c'est euh, bon, le, le, le vaccin de Pfizer se fait en deux étapes. Pfizer dit qu'il faut, euh, faut, faut donner la deuxième dose au plus tard, 42 jours après la première. Or, le gouvernement au Québec a dit bon, nous, on va, on va donner la deuxième, la deuxième dose euh, euh, même si on va jusqu'à un délai de 90 jours parce qu'on veut d'abord. Euh, se mettre en priorité les, les, les doses de vaccins euh, au plus grand nombre de, de premiers vaccins au plus grand nombre de Québécois possible. Donc, autrement dit, on en donne plus euh, de première dose aux au Québécois, et puis on va retarder donc les deuxièmes doses se faisant. Euh, alors, ça, c'est un autre. C alors, qui dit vrai? T'sais? Et par-dessus tout ça, vous avez du côté euh, du terrain des cris d'alarme qui sont donnés par des médecins comme le docteur Paul Poirier, le docteur François Marquet, etc. Il y a des, des médecins qui sont sur le terrain, qui sont vraiment là dans, dans, dans le, le cœur de la bête, qui si sont venus vraiment là, des, à, à traiter des malades et tout ça, qui disent que que le, le, les Québécois, dans le fond, n'ont respect, pas respecté les consignes, malheureusement. Euh, pas tous, évidemment, mais euh, il y a une grosse portion non négligeable de Québécois qui ont fait en sorte, en ne respectant pas les, euh, les mesures de confinement, d'augmenter, de, 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 dans le fond, la propagation du virus. Ça que, puis bon, bien, ça faisant, il y a de plus en plus de lits qui sont occupés pour le COVID, et donc de moins en moins pour euh, les chirurgies, les cancers, les crises cardiaques, ces choses-là. On commence à arriver à un point de saturation là, pour le système de santé à cause de ça. Fait qu'on n'avait pas besoin de ça, mais la conséquence de tout ça, c'est effectivement un système, de, un système de santé qui va cracher si on ne révise pas les choses. Fait que, tu sais, euh, vous avez donc les mésententes dans les gouvernements fédéral, provincial, vous avez. Euh, les divergences sur le délai d'injection de, de, des doses des deux doses de Pfizer. Vous avez euh, euh, le terrain qui dit Garde, ça n'a pas de bon sens là, ce qui se passe. Les gens qui ne respectent pas les mesures de confinement. Fait que, tu te demandes à un moment donné par quel bout de prends ça et comment est-ce qu'on va s'en qu sortir. Un autre problème qui euh, survient aussi ici, et sur, encore une fois, c'est au fédéral que ça, ça incombe, c'est que manifestement, on vient de déclarer là, que. On n'aurait pas de dose en avril du côté de Pfizer. Puis euh, le gouvernement fédéral lui dit qu'à oh, partir du mois d'avril, on va avoir, on a pris un entente pour avoir encore plus de doses, qu'on va en avoir en masse, puis que tout le monde va être vacciné en majorité, en tout cas au Canada, en quelque part au mois de septembre. Mais euh, les signaux qu'on a de Pfizer qui va retarder des, qui a des retards de livraison et les délais qu'on voit actuellement qui font en sorte qu'en janvier, ça il n'y a pas bien ben, euh, ben, ben de doses qui sont données. En février, ça ne regarde pas bien parce qu'on est devant un shortage d'approvisionnement. Et en mars aussi. Alors, euh, tout ça pour vous dire que le gouvernement fédéral a mal négocié les ententes avec Pfizer et Moderna. C'est pas assuré d'avoir euh, une priorité sur un volume imposable de demandes rapidement et surtout n'a pas coordonné les euh, injections euh, des euh, vaccins en question avec les provinces, main dans la main, de façon à ce que tout roule rondement, que ça se fasse de façon efficace. OK, et ça, c'est vraiment, euh, c'est malade, cette affaire-là, c'est de dire, c'est complètement insensé qu'on n'ait pas une coordination entre les provinces, puisque ça, le fédéral, pour s'assurer. Tu sais, au-delà des, là, c'est plus le temps de faire de la partisannerie politique, puis de faire « I'm OK, you're not OK », puis cette affaire-là, il faut vraiment soigner le monde, puis protéger le peuple, là, contre cette crise de virus-là, c'est tout. C'est ça, c'est, bon, tout le monde va vous dire qu'ils ont le même objectif, sauf que sur le terrain, c'est pas ça qui se passe. Il y a encore sa graphique entre les gouvernements, ça graphique avec le fédéral. Le fédéral est incompétent dans la gestion des, euh, des achats de. Écoutez, des petits pays comme Israël, d'autres petits pays, comme on, rendez-vous, on, on, ils sont rendus quasiment aux deux de leur population qui sont vaccinés. Et puis ils se disent qu'ils vont tous être vaccinés euh, en quelque part en mars ou avril. Parce qu'au Canada, c'est au mois de septembre, puis dans le fond, la réalité, c'est que Parlement, ça va aller jusqu'au mois de décembre, peut-être même en 2022. Mais il ne dira pas, Trudeau, parce qu'il ne veut pas alerter le monde, il ne veut pas faire peur au monde. Mais c'est une crush. Il n'a pas, pas réussi à négocier une entente qui faisait en sorte que le Canada irait à un beat rond à un bit rapide, à un bit d'infusion de, 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 rapide, avec des achats volume, en haut volume. Pour le Canada, on est capable de payer en masse, quitte à payer un peu plus cher, comme Israël a fait, pour être capable d'avoir la priorité. T'en mets plus d'impôts de Pfizer puis de Moderna, mon Dieu, pour qu'ils nous en donnent, nous, en priorité par rapport à d'autres pays. Tu sais, ça finit là. C'est vraiment là, c'est run for yourself, là. C'est comme ça qu'il fallait que tu négocies, là. Comprends-tu? Il y a le gun sur la temple, là. Mais ben, comprenez qu'avec Caninos euh, euh, Trudeau, là c'est pas de même que ça se passe, là, les, les, les négociations, c'est Caninos Trudeau, c'est un géo de Club Med qu'on a comme, pr comme Premier ministre. Fait que c est, c est, c est, ça a l'air d'un pays aussi qui gère, comprenez-vous, le COVID, c'est comme si on était un Club Med.